Combien de temps vous perdez chaque semaine à créer du contenu pour vos réseaux sociaux? Et très souvent, la grosse majorité des gens fait du contenu qui ressemble à tout le monde, c'est-à-dire avec des citations, avec des images libres de droit, mais qui ne reflètent pas la personnalité ni l'histoire de la personne. Et je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser de A à Z un compte, par exemple Instagram, avec une technologie à intelligence artificielle qui génère automatiquement une image de vous dans n'importe quel contexte, avec un texte que vous n'écrivez même pas et qui reprend des éléments de votre histoire, et tout ça c'est posté en automatique. Vous allez pouvoir devenir une autorité instantanée et faire tourner un compte à partir de zéro. Je vous explique tout le système dans une vidéo qui s'appelle Influenceur IA et vous pouvez la recevoir en cliquant juste en dessous dans le lien dans la description. Mais dès maintenant, je vais vous montrer une démonstration. Donc on va repartir de mon compte Instagram, qui est un compte Instagram plus de test puisque je ne développe pas ma présence vraiment sur Instagram. Mais admettons que vous vouliez automatiser les publications avec des images comme ça extrêmement inspirante de vous. Ces images ont été complètement générées par l'intelligence artificielle. Il suffit tout simplement d'ouvrir un scénario et je vous explique encore une fois tout dans la vidéo Influenceur IA que vous pouvez recevoir en cliquant sur le lien dans la description. Ici, vous mettez un thème, par exemple Rémi en train de méditer sur une plage à Bali. Ici, ce sont des éléments de mon histoire que j'ai donné. Vous cliquez sur OK et vous cliquez tout simplement sur Run Once. Et regardez, instantanément, avec ChatGPT, ça va créer un prompt, ça va aller sur un générateur d'images que j'ai entraîné avec mon visage. Il y a un petit timer de 80 secondes que j'ai mis juste pour être sûr que l'image est bien générée par l'application. Et je demande ensuite de mettre cette image sur un stock d'images. Donc je peux en générer autant que je veux comme ça ou de manière complètement automatisée si je mettais ce scénario sur on. Donc par exemple 30, 40, 50 images ou même 100 images pour en avoir par exemple pour tout un trimestre. Et pourquoi je les stocke? Tout simplement parce que j'aime bien vérifier manuellement, les valider avant de les publier. On attend encore quelques petites secondes et ça y est, automatiquement l'image est ajoutée dans ma base de données. Ici c'est Airtable, vous voyez, c'est en train de se créer en live et moi en train de méditer, regardez, c'est absolument bluffant. Vous voyez, on a une image extrêmement réaliste de moi, de mon visage. Et ici, il y a quelque chose, un texte qui a été écrit avec les bons hashtags qui reprend des éléments de mon histoire. Donc, par rapport à ça, une fois que je suis OK et que je le valide, je mets tout simplement ce poste-là dans la bannière à publier. Je reviens ici et cette fois-ci, je vais autoriser la publication sur Instagram. Je reclique ici sur un bouton. Vous voyez, ça demande quoi? Ça demande deux clics de bouton. Je pense que vous êtes capable de faire deux clics de bouton. Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, ça a été envoyé sur Instagram. Ça remet à jour ma base de données. Et ici, sur Instagram maintenant, si je rafraîchis, regardez ce qui s'est passé. En quelques petites secondes, le temps que je parle, j'ai une superbe photo de moi avec un prompt qui respecte mon histoire. Et ça, vous pouvez complètement automatiser un compte Instagram, un compte Facebook, vos réseaux sociaux de cette manière-là avec l'intelligence artificielle et créer des images extrêmement inspirantes pour faire une figure d'autorité instantanée, quelle que soit votre niche. Vous représentez par exemple en situation professionnelle et ce type d'image a quand même beaucoup plus d'impact visuellement que de mettre par exemple des citations qui sont fades ou des images libres de droit que tout le monde met. Ça inspire beaucoup plus votre communauté et ça décuple votre impact sur les réseaux sociaux. Alors si cette automatisation vous intéresse, que vous voulez arrêter de perdre du temps à poster sur les réseaux sociaux du contenu fade et impersonnel, vous pouvez voir la vidéo de Influenceur IA, vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous et je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo pour le détail complet.